aliment approprié pour l'hypothyroïdie. Aliment approprié pour l'hypothyroïdie. Il est important que vous consultiez un spécialiste avant d'augmenter votre consommation d'acides gras oméga 3, car ces derniers peuvent provoquer une augmentation des saignements en cas de prise de médicaments anticoagulants. L'hypothyroïdie est un état dans lequel le corps ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdales. Les personnes affectées par cette maladie ont donc un métabolisme lent. La forme la plus commune est la thyroïdite de Hashimoto, une inflammation de la glande thyroïde provoquée par le système immunitaire. Les symptômes sont faiblesse, fatigue, augmentation de poids ou difficulté pour perdre du poids, cheveux secs, perte de cheveux, cheveux et ongles fragiles, peau pâle, sèche et rêche, cycles menstruels anormaux, intolérance au froid, constipation, cholestérol élevé, douleurs musculaires fréquentes, perte de mémoire, dépression, irritabilité et baisse de libido. Aliments appropriés pour l'hypothyroïdie. Il est important de mener un mode de vie sain avec des aliments appropriés pour l'hypothyroïdie et une activité physique régulière, mais il faut également gérer le stress et prendre correctement les médicaments que le médecin vous a prescrits. Il n'existe pas d'aliments ni de régime qui puisse guérir ou prévenir la maladie, mais les effets de l'augmentation de poids peuvent être réduits au minimum en mangeant des aliments contenant peu de calories et riches en éléments nutritifs, afin d'améliorer la réponse immunitaire et prévenir d'autres maladies. Ces aliments sont les légumes, les fruits, les glucides complexes, céréales complètes, pâtes, pommes de terre, protéines maigres et graisses saines avec modération. Les oméga-3 sont très importants pour le fonctionnement du cerveau et aident à maintenir la glande thyroïde en bonne santé. Les oméga-3 peuvent réduire l'inflammation qui ralentit le fonctionnement de la glande thyroïde. Parmi les aliments contenant un taux élevé d'oméga-3, on retrouve le saumon et les poissons bleus comme le thon, la morue ou le maquereau, ainsi que les noix mais en quantité plus réduite. Si l'on vous prescrit des médicaments anticoagulants, consultez votre médecin avant d'augmenter l'apport en oméga-3, étant donné que ces aliments peuvent rendre le sang plus fluide. La vitamine B aide la glande thyroïde à produire de l'énergie, surtout la vitamine B12, qui est particulièrement efficace contre l'anémie et le fonctionnement réduit de la glande thyroïde. La viande. Les œufs, le lait, les algues, la levure de bière ou encore les palourdes ont une quantité de vitamine B12 élevée. La vitamine B9 est également importante, on la retrouve dans les légumes, les avocats, les oranges, les asperges, les épinards, importante source de vitamine C, le chou-fleur et les produits laitiers en quantité plus réduite. Les épinards, une grande source de vitamine C, sont également riches en vitamine B, aliments pouvant être nocifs. Les goitrogènes peuvent nuire au bon fonctionnement de la glande thyroïde, puisque ce sont des éléments similaires aux hormones humaines comme les estrogènes, et ils ont un effet presque identique sur le corps. Certains aliments en contiennent, comme le brocoli, les choux de Bruxelles, le soja et ses dérivés.